éternel. Allons dire vive le nom de Jésus. Vive le sang de Jésus. Mon âme bénit l'éternel. Amen. Amen. Nous disons Dieu merci pour tant ça nous gagne, à soi à nous ensemble. Et nous disons Dieu merci pour chant chanter. Et pour chant qui chanter, pour Jean et bon Dieu permettre que bon musicien nous y a avec nous. Et nous disons Dieu merci pour yo. Que bon Dieu continue à bénir yo pendant que vous accompagnez nous pendant ce maintenant. Combien de monde qui content yo là à soi? Son grand dit quoi remporter ou là à soi? Je dis lundi, oui. Oh, lundi, c'est un jour qui est difficile. Lundi, difficile en pile. Pour reprendre le travail. Mon rêve est vendredi, parce que you get paid Friday or Saturday. But lundi, difficile en pile, tout comme la dépense. Faut recommencer. But it's good to be here. Et à soi, nous disons, bon Dieu, merci du fait que nous allons ouvrir parole encore. Et pour nous capables de voir qui ça que le gain pour nous. Qui ça que le gain pour nous. Je vais demander, et dans tel contexte, pour prendre la Bible, ouvrez avec moi dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Je vais prendre pour même un verset, et puis après ça, je vais tomber dans le livre Apocalypse. À ce moment, je vais prendre avec une vitesse. Si toutefois, ou pas, Marie ceinture, ou bien vertige. Je me prends avec une vitesse. Et je vais demander, monsieur, plus tard, je vais mettre l'eau dans le micro. Parce que je vais voir la fille. Hello? Et bon, de quel il va aller me voir la fille, ça? Deux Pierre 3. Et je souhaite vous joindre. Je vais prendre un seul verset dans 2 Pierre 3. C'est verset 8 et verset 9. Lisez les paroles, ça, dans 2 Pierre 3, verset 8 et verset 9. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et verset 9, qui c'est verset de base, non? Il dit parole, ça y est, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. 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 On fait un coup de prière, Seigneur. Nous remettons au soir et ça. Et nous demandons encore. Ouvrir cœur, nous. Pour que cet esprit, oh, pour que cet esprit soit capable d'agir pendant que la parole ça l'ouvre. Nous comptons sur, nous appuyons sur. Bah, nous avons une capacité surnaturelle pour nous exposer la parole à soi. Et pour que tout le monde qui saute là est capable de dire qu'il était bon pour nous assurer. Pour tout le monde qui a senti nous béni. Nous comptons sur vous, cher Seigneur. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Ce matin, on a parlé concernant la préparation au retour de Christ. Et dans la Bible, il y a un livre de l'Apocalypse. Il n'est pas dans la Bible sans raison. Et s'il est placé dans la Bible, ou pas qu'à lire toute histoire, et puis pour pas voir qui s'est placé dans fin livre là. Apocalypse. Et lorsque Pierre écrit parole, ça y est, que nous sommes là, Pierre gagne Apocalypse dans la pensée. Parce que Pierre parlait concernant Jean, le Seigneur, pas tardé dans l'accomplissement promesse, comme en pile monde quoi. Mais il usait de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il dit, mais voulant que tous arrivent, tous parviennent à la repentance. Donc, en gros, raison qui fait que Jésus-Christ tardait toujours, c'est parce que il y avait des gens qui dehors pour entrer. Pour entrer. Et dans le contexte, ça, il est patient. Ainsi, hier soir, nous avons parlé concernant la promesse du retour de Christ. La promesse du retour de Christ. Nous avons parlé concernant le plan du retour de Christ. Le plan du retour de Christ. D'abord, ça hier soir, l'Église, son peuple captain, l'Église en salle d'attente. Et ça qui fait nous en salle d'attente, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ, avant même que le monte, il fait toute discipline et nous-mêmes qui croyons dans lui, connaissons que l'y praler et l'abtourner. Et
une bagaille qui est arrivé l'église, c'est lorsque l'église oubliait que Jésus-Christ était dit ça l'a tourné. Et le livre Apocalypse a ouais qui dans la Bible là son livre qui parlait concernant tourner. Et le tourner qui mais ça qui va le passer. Gagnon ignorance dans pile l'église. En pile l'église ou passer mon yo pas connait Bible. Mon yo pas connait Bible. Même aux États-Unis américain ou l'église américaine y a confronté un problème tout neuf que y aurait les biblical illiteracy côté que y aurait que en pile américain qu'à l'église y ont illettré bibliquement gain histoire qu'on connaît c'est bagaille si monde connaît école du dimanche y a pas connait histoire ailleurs gain histoire c'est bagaille Jésus-Christ miracle Jésus-Christ est fait y a pas connait y ont illettré et on connaît sous télévé Haïti où tu fait dans l'évangile ou bien t'es timoun ou t'as grandi dans l'évangile ou après rappeler que l'église prend depuis dans petite classe petit parfois il connaît les petites classes étoiles rayons lumière il enseigne les histoires et puis ou prend grade ou prend niveau jusqu'à ce que ou baptisé il admettre dans classe côté quoi étudier les doctrines de la Bible côté quoi étudier de grandes choses ou participer dans l'étude biblique pour capable comprendre qui sa Bible là veut faire connaître et comment pour où doit conduire. Mais qui ça qui veut parler dans Kikou? Moun n'a pas de temps pour mon Dieu. Moun n'a pas de temps pour la prière. Moun n'a pas de temps pour étudier la parole de Dieu. Moun n'a pas de temps pour la Bible. Vous connaissez son contradiction liée pour mon Dieu, c'est chrétien. Et puis le pape marche contre, le pape marche tant que Christ. Son contradiction liée pour mon Dieu, c'est chrétien et puis il est allergie avec Christ. Comment on est capable de ces chrétiens pour allergie avec la Bible? Ou allergie avec la Bible là, ou allergie avec l'église? Ou allergie avec la communauté chrétienne là, ou allergie avec la prière? Et pour dire ça? Ou c'est chrétien. Moun gen time pour tout bagay, mais pas gen temps pour bon Dieu. Et c'est peut-être ça pour type de moun sa, la Bible dit comme ça, Jésus-Christ a béni comme tant que un voleur. L'on voleur a béni côté ou pas connaît. C'est l'elle paraît, il prend ça la prend ça qui passé ou connaît. Mais toutefois, par les temps qui courent, nous dans dernier temps et Jésus-Christ capable tourner à n'importe quel moment. Et nous croyons comme chrétiens dans le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Imminent impliqué, il est capable de venir à n'importe quel moment. Même premier chrétien au premier siècle, Jésus-Christ, à peine il est monté, et il y a quoi que l'a tourné. Même Paul, dans la période que l'a écrit à chrétien corinthien, Paul, tu es même quoi que Jésus-Christ a tourné dans la période par là, dans le temps par là. Le Pierre écrit, lorsque l'autre apôtre a parlé concernant Jésus-Christ et son retour, il a toujours évoqué la possibilité que Jésus-Christ est capable de tourner. Dans l'époque. Yo. Et Babdo, vous connaissez ça qui est là où on a vivre chaque jour, ou bien le ciel là dans la pensée, ou bien le retour de Christ dans la pensée, ou vivre différemment. Ou l'enlever le matin, ou passer la journée différemment. Ça va être moins matérialiste. Ou vivre sous terre, mon connaît terre à Pacayo. Ou vivre sous terre, mon connaît ce pas ce passé. Ça qui est intéressé, c'est Christ qui met en salle d'attente, et qu'on leur dit la passer pour lui. Pour lui prendre. Maintenant, l'église est en salle d'attente. Vous connaissez, l'homme on attend, et non salle, supposons qu'on attend un autobus passer pour dans la salle là, supposons que l'autobus a passé à tel moment, et puis c'est dans le moment où on s'en va le flâner. Vous voyez ça qui passe? Là, il est arrivé, l'autobus a passé vraiment, et l'autobus n'a pas pris de temps, non? Parce que l'on l'a pour monter. L'on rate-le ou rate-le net. Et bien, pendant l'église en salle d'attente, pas qu'il y a l'heure pour chrétien à le flâner. Pas gen l'heure pour chrétien quitter l'autre bagaille prend temps yo pour oublier que yo gon rendez-vous gon bus qui a passé près yo et bus ça Bible a parlé de lui ça qui pourrait avec l'enlèvement Jésus-Christ qui a venu pour enlever petite li yo chrétien yo moun ki croit dans li yo et si à soir moi je vais mettre devant le livre de l'Apocalypse et m'a dit ça comme pour dire quel que soit chrétien qui a monté descendre l'église soit yo pas comprendre Apocalypse yo c'est chrétien qui est incomplet. Au chrétien complet doit comprendre le livre Apocalypse. Comment nous, ces chrétiens, livre Christ là dans main, et puis on partit dans le livre, on va comprendre. Non, it doesn't make sense. Bible là, c'est Bible, c'est parole Christ qui était dans main. Nous ne pouvons pas avoir parole li dans main, non? Et puis pour nous, par contre, sa parole l'a dit, et puis pour nous surpris. C'est mon dehors qui vous surpris, pas nous-mêmes. Parce que nous avons parole là. Amen. Parole là dans main. Et si, est-ce qu'on prend? Combien de gens qui ont une Bible là? Est-ce qu'on prend une Bible? Levez la Bible pour vous. Même si elle a un téléphone, elle m'a pris le téléphone. Même si elle a lié. L'essentiel, c'est que je suis en lien avec moi à soi. Merci un peu. Vous êtes capable de descendre.
Et sous base ça, Pierre dit, nous voulons parler concernant le plan du retour de Christ. Regardez-moi bon, ici, je vais vous dire ça rapidement. Je vais vous dire pour noter, pour capter, parce que je vais vous réciter dans fin service là. Livre Apocalypse là, il y a sept bagailles là-dedans. Sept bagailles, ça, c'est sept bagailles qui sont relatifs à plan retour Christ là. Après sept bagailles, ça, plan bon Dieu, tu as un agenda pour l'humanité, bon Dieu complète. Et dans le jour où là, et dans l'Apocalypse, nous joignons, sept bagailles qui sont pour arriver, m'abdou yo et nous allons chercher dans l'Apocalypse là. Premier bagaille qui vient pour arriver dans le jour où là, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est ce que ça nous dit? L'enlèvement de l'Église. C'est ce que ça nous dit là? L'enlèvement de l'Église. C'est le premier bagaille qui vient pour arriver dans le jour où là. Deuxième bagaille qui vient pour arriver dans le jour où là, après l'enlèvement de l'Église, c'est la grande tribulation. On dit ça ensemble. On va le faire réciter. Préparons. Premier bagaille qui vient pour arriver dans le jour où là, c'est ce que ça lié? L'enlèvement de l'Église. Deuxième bagaille qui vient pour arriver dans le jour où là, c'est ce que ça lié? La grande tribulation. Troisième bagaille qui vient pour arriver dans le jour qui vient là, c'est le retour de Christ. Il ne faut pas confondre ça. Il y a une différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. L'enlèvement de l'Église, c'est un bagaille qui fait en privé dans les airs. Le retour de Christ, c'est le retour visible de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la terre pour elle. C'est deux bagailles différents. Et si le premier bagaille, c'est qui s'allie? L'enlèvement de l'Église. Deuxième bagaille, c'est qui s'allie? La grande tribulation. Troisième bagaille, c'est qui s'allie? Le retour de Christ. Le retour de Christ. Le quatrième bagage qui vient pour arriver dans le jour de la vie, toute nation qui pourrait aller ériger contre notre Seigneur, qui était rébellé contre notre Seigneur, le Christ tourne pour juger. C'est ça, le jugement des nations. Le jugement des nations. Toute nation qui était incrédule, qui était fait alliance avec Antichrist contre notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, le Christ tourne pour juger. C'est le quatrième bagage, le jugement des nations. Et ma foi, réciter encore. Premier bagage qui va arriver dans le jour de la vie, l'enlèvement des guides. Deuxième bagage, la grande tribulation. Troisième bagage, le retour de Christ. Quatrième bagaille, le jugement des nations. Le Christ juge les nations, mettez-vous dans le rôle. Mettez-vous dans le rôle, c'est beau créole là. Christ pral répondre à prière que nous avons prié depuis des siècles. C'est prière qui dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Christ a venu, établi, régné sous terre pendant 1000 ans. Et ça écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et cinquième bagaille qui vient pour arriver dans le jour de la vie, c'est le règne millénaire de Christ. On dit ça ensemble. Le règne millénaire de Christ. Christ gagne pour Pilatea et palais royal en Israël et d'Israël étant l'a gouverné toute la terre pendant une période de 1000 ans. Et Bible qui enseigne ça. Oh, que tout élève qui l'a soit, qui vient prendre classe ça et réciter le son pour moi. Qui peut y avoir capitaine de nos jours là? L'enlèvement de l'Église. Deuxième bagage, capitaine de nous, la grande tribulation. Troisième bagage, capitaine de nous, le retour de Christ. Quatrième bagaille, le jugement des nations. Cinquième, le règne millénaire de Christ. Sixième, non, il est terrible. C'est le jugement du grand trône blanc. C'est le jugement dernier. C'est comme ça, Drélel. Côté que tout le monde qui est mort sans bon Dieu, sans Jésus, depuis lors qu'on est l'homme sous terre, arrivé jour temps, et mandat l'homme fini sous terre, tout impie, eh bien, la Bible a dit comme ça, bon Dieu va le juger. Et tout ça écrit dans le livre de l'Apocalypse, le jugement du grand trône blanc. Tout le monde qui va convertir qu'à monter des sons, quel que soit nom, quel que soit réputation dans la société, quel que soit notoriété qu'il y a, sans Jésus-Christ, deux pieds diam, il va apparaître devant le grand trône blanc, puis il va rendre compte pour qui raison il était mort, il n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le sixième bagaille qui va arriver dans le cabinet là. Et après le sixième bagaille, ça qui arrive, il y a un septième. Septième, c'est l'éternité bienheureuse avec Christ. On dit ça ensemble. L'éternité bienheureuse avec Christ. Je vais vous préciser sept bagailles d'ailleurs. Et je vais vous pour qu'on est sous droit tout même. C'est sept bagailles qui étaient dans le jour qui vient pour bon Dieu compléter le programme. Et sous droit, son chrétien complet, pas qu'on est. Ou t'as saisi pour vous, il y a qui a prêché des échecs, qui a monté des sons, il n'y a pas qu'on est. Au contraire, il faut faire classe pour vous. Il faut l'enseigner. Et peut-être ça, il n'y a pas qu'à prêcher un autre bagaille parce que seul ça vous connaît, c'est qui ça vous connaît. Il n'y a pas aller plus loin. Livre Apocalypse, ça, il mettait deux cadenas là-dedans, deux cadenas. Parce qu'il n'y a pas qu'on et il n'y a pas qu'on enseigne. Alors que le peuple, bon Dieu, n'a pas de quitter terre sans le pas qu'on livre là. Il faut que le livre là. Parce que dans le livre là, c'est sept bagailles à eux. Comment on peut suivre, bon Dieu, c'est petit, bon Dieu, bon livre pour lui, pour étudier, et puis, ou pas qu'on livre là. Faut qu'on aille. Un autre dit, faut qu'on aille. On parle de faut qu'on aille.
Et maintenant, si les leçons, sept barres qui viennent pour venir dans le jeu comme là, bat bête, c'est ça qu'on dit en Haïti. L'autre bat leçon, on dit bat bête là. Hein? Sept barres qui viennent pour venir dans le jeu comme là. Un, l'enlèvement de l'Église. Deux, la grande tribulation. Trois, le retour de Christ. Quatre, le jugement des nations. Cinq, le règne millénaire de Christ. Six, le jugement du grand trône blanc. Sept, l'éternité bienheureuse avec Christ. Regardez-moi ici. Sou on connaît cette bagaille là, gen nèg ki nan monde là qui gen toute qualité degré. Yo met gen 5 6 7 8 PhD. Si yo pa connaît cette bagaille là et yo pa connaît Christ là, yo pa connaît rien. Si yo pa connaît ça qui va arriver et yo pa connaît Jésus-Christ, yo pa connaît rien. Mais sou connaît ça qui va arriver et yo connaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, écoutez bien, pas que monde qui peut connaît pas ça non. Parce que ou connaît ça qui va le pas, ça va le passer. Ainsi où est cette bagaille là rapidement. Marie Saint-Hugh, je vais vous montrer comment vous tous les sept dans le livre Apocalypse. Et sous besoin comment tout le livre Apocalypse, l'on passe chaque page, ou vous dire ça. Pas ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Et de non, pas ça, c'est la grande tribulation. Pas ça, c'est le retour personnel de Christ. Pas ça, c'est le jugement des nations. Pas ça, c'est le règne millénaire. Pas ça, c'est le jugement du grand trône blanc. Pas ça, c'est l'éternité bienheureuse qui ça avec Christ. Est-ce qu'on a, hein? Est-ce qu'on a? Est-ce qu'on est prêt pour nous aller? Nous mettre buckle up? Ready? Set? Go, on a le chapitre 1er, on a regardé. Chapitre 1er. Et dans le chapitre 1er, l'on Apocalypse, on apprend que Jésus-Christ introduit tête li à l'apôtre Jean. Parce que même le livre Apocalypse, son mot veut dire dévoilement. C'est-à-dire que son rideau qui devant scène, et puis il ouvre le rideau pour être sac sous scène. Et si l'apôtre Jean, t'es un peu remettre les Domitiens. Domitiens était méchant pile. L'exil est l'apôtre Jean, qui ton grand monde à l'époque, il était gêné, mais en bas, c'est tué grand monde, parce que ça t'a fait. Et le christianisme est plus populaire pour massacrer les gens. Au lieu qu'elle fait ça, l'exil elle. Sont-ils île, Patmos, yon île qui est tout près de la mer Égée, non de la Méditerranée. Et puis on dit dimanche matin, pendant Jean exilé, et puis l'Esprit de Dieu saisit l'apôtre Jean, et puis Libali, Libzar, que nous avons Apocalypse. Et puis nous avons l'anglais révélation. C'est ça moi-même, révélation. Son révélation. Bon Dieu l'ouvrit. Dieu Jean, et puis Jean a banon livre la salouè, saltende. Jésus-Christ apparaît à Jean, et pendant sous l'île Patmos. Et lui apparaît à Jean, lui dit, Jean, mais ça pour faire, mais ça voyou pour dire. Et yon nan Jean que lui introduit by Jean, l'aura de Napoli chapitre 1er, l'homme lit par exemple verset 8, tandis que ça Jésus-Christ dit, il dit comme ça, je suis qui ça, l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout puissant. Et puis dans les versets 9, 10, 11, il dit comme ça, moi, Jean, votre frère, qui est par avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée comment? Patmos. Pour qui ça? À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et puis il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à qui ça? Aux sept églises. À qui église ça? Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sade, Philadelphie, et qui ça? Laodicée. Écoutez bien, c'est comme ça l'Apocalypse commence. Lors de l'Apocalypse, dans chapitre 1 à chapitre 3, où il parle de l'église. C'est de l'église qu'il parle. Spécialement de sept églises qui étaient dans la zone Asie mineure. Asie mineure, c'est la zone Jodia que nous identifions comme la Turquie. Sept églises. Et aussi, c'était dans là. Pourquoi ça Jésus-Christ choisit sept églises locales? Parce que sept églises locales, ils symbolisent sept marques de l'église qui est sous terre. Ils symbolisent sept marques chrétiens qui sont sous terre. Et ils symbolisent sept périodes l'église gagne pour le traverser sous terre à travers les siècles. Et si Jésus-Christ prend sept l'église pour être capable d'adresser le problème. Par exemple, on est capable de voir un pile monde l'église. Mais tout le monde l'église n'est pas le même monde, non? Il y en a un qui est marque Éphèse. On l'a été bon Dieu, il n'y a pas les mêmes gens encore. Il y a des gens dans l'église qui sont Max Min. Les gens qui sont Max Min, c'est 4 par 4. C'est les gens qui ont souffert pour bon Dieu. Il y a des chrétiens comme ça, oui, c'est les gens qui ont pris un coup pour bon Dieu. Les chrétiens sont Max Min. Il y a des gens dans l'église qui sont Max Pergame. Max Pergame, dit dans l'église, on pire dans l'église, mais on remet le monde. Ouais, Pergame, Gamos, dit Maria avec le monde. On pire dedans, on pire dehors. Ouais, dit, tout le monde vient dans l'église, mais pas même. Il y a Max Éphèse, il y a Max Min, il y a Max Pergame, il y a des gens qui l'église, c'est Max Thyatire. Max Thyatire là, c'est Max côté que. Moun nan gen fausse doctrine, li gen bonne doctrine. Et li gen mélange. Son comme dans bon créole,
yo di kon sa, li nan tout sos. Nan tout sos. Mwen mè kreol an pil. Parce que ou pa ka explique, mwen pa ka tradwi an kreol, mwen pa ka pran anglais pou mdi, pou mtradwi kreol sa, moun nan tout sos. Mwen pa di kon sa, moun nan mingle and everything, li meddle, and everything. Men li pa kapab al nan menm sens, moun nan tout ki sa, sos. Ma bon lòt kreol anko, li nan mare sosis, avec monde là. Regardez, c'est prêcher ma prêcher ma professe créole. Et si pour créole là on paye. Bon, écoutez donc. C'est ça Macti attire là, oui, Macti attire là. Et puis dans l'église, où vient tout Maxard. Comment ça Maxard là? C'est un monde qui l'église mais monde l'abdomi, il passait pour monde vivant alors que qui ça? Il mort Maxard, Maxard. Et puis dans l'église, ah bon belle marque, ça sont belle marque, Marc Philadelphie. Marc Philadelphie, c'est mon qui zélé, mon qui vivant, mon qui a l'évangile, mon qui a marché avec mon Dieu. Marc Philadelphie. Et puis, Marc s'était chargé. Marc Laodicée. Marc Laodicée, c'est une machine qui, l'eau passe clé, l'a marché. Et puis, dans le temps, il y a un lago. Et puis, l'a marché encore, et puis, lago. Kavoum, et puis, lago. Marc Laodicée, Jésus-Christ dit ça, oui, il n'y a pas ni fret, ni chaud. Il y a tiède. Parce que Laodicée, c'est un marque qui n'a pas de fidélité à l'endroit de Dieu. Et si même si dans dimanche matin, ou on équipe les gens vient l'église, dans dimanche matin, où tout le monde a chanté, gros choral, musicien a joué, tout le monde vient l'église, tout pas même marque. Tout pas même marque. Gemak, Éphèse, Gemak, Smyrne, Gemak, Pergame, Gemak, Thyatire, Gemak, Sardes, Gemak, Philadelphie, et puis Gemak, Laodicée. Je ne sais pas d'où ça pour aller jouer les gens. Ou di gat figi se an, sa son la odise, oui. Ma do sa pou fè vè kon sa. Oui, par contre, sa te pren, l'al marié avec yon Thyatire. Oh, c'est ça kote rivel. Gadon kwatyo. Kwatyo sa va fouti benim. Sa ke blaga benim. On Thyatire la dan ka fè bas, ou kon la odise la dan ka fè tenor, ou gen yon Pergame la dan ka fè ki sa alto, et puis gen Efesien la dan ka fè soprano. Il va fouti bon. Et Babdo, même si vous avez exemple ça capable de faire, mais dans la réalité, c'est ça. Pi bon alliance qu'on a dans l'église, c'est les Philadelphie qui campaient devant yon Smyrne. Yon monde qui a souffert pour mon Dieu, qui travaille à côté de monde qui zélé pour mon Dieu. Frère, monsieur, moi, ça me saute de là. Je me saute de bon paquet de barres, non, petit crasse. Reste avec l'église là, oui. Même si vous avez chargé l'église ici, chargé l'église l'autre, qui marque l'église là? Qui marque l'église yoye? Et pas moi non qui dit qui marque yoye. Et Bible la oui qui détermine qui marque yoye. Marque l'église, c'est marque chrétien yoye. C'est marque chrétien qui bon marque l'église oui. Si vous avez un bon marque chrétien, vous avez un bon marque l'église. Non? Même si vous avez une machine, alors vous faites sombre dans le moteur et vous marquez Toyota sous lui. Le fait qu'on marque Toyota sous lui, pas faire Toyota. Le fait qu'on marque Lexus sous lui, pas faire Lexus. Le fait qu'on marque yon marque quelconque sous lui, Volkswagen, whatever, il pas faire ça. C'est moteur qui fait le mac là. Gonjeu fait moteur, gonjeu fait machine non. Et puis j'en fait machine dit comme ça, identifier mais qui machine lié. Et écoutez non. Jésus-Christ, tenez bien, attendez bien, dit comme ça, cette l'église a eu tout, il symbolisait cette période de l'église à travers les âges. L'église s'est fait commencer. Oh, et comme on dit fait marier. Les monde fait marier, ils ont ouais. En pile l'amour. L'une de mes c'est quoi ça fait? Yo bon manger à l'heure, ou manger à temps. Yo met petit bavette pour même ton petit bébé, met petit cuillère dans bouchou, fleur a débarqué, lait a débarqué, poème. Et puis après quelques années, mettez la terre sous les lois prennent. La même chose avec lui. L'une de mes la fille, ma pas de personne là, pas d'amen pour personne baronne c'est avec leur parler, pas d'amen. Il va autant les autres seulement dit ça seulement. Et puis écoutez bien. L'église s'est fait commencer. T'es fait commencer. Laisse à l'église acter en pile l'amour bon Dieu. Mon Dieu, t'es zélé pour le Seigneur. T'es remel. Et puis, dans le premier, deuxième siècle, l'église a commencé à perdre amour pour mon Dieu. Il a commencé à perdre amour. Et puis après ça, l'église a vint tomber dans l'âge, côté que mon groupe mon Dieu était d'accord, souffrir pour mon Dieu. On met maturisé, on met touillé, on dit que bon Dieu n'a pas marché. L'église deuxième, troisième siècle, c'est ton l'église qui était vivant. C'est deuxième âge l'église. L'église de Smyrne.
Moun sa te met brûlé yo, sacrifié yo, tourmenté yo, crasé yo, bail yo manger yo, di la ou pou met bail yo manger. Seul sa te gré pou yo te di pou yo te épargné yo. Il était seulement besoin dit César est Seigneur, parce que à l'époque l'Empire romain te couvrit toute la terre et empereur romain yo te divinisé tête yo. Yo te fait même temple pour tête yo, faut aller dans temple là au moins une fois l'an pour brûler l'encens en l'honneur de César. Seul sa gen pou di César est Seigneur. Si ça seulement chrétien va te dit, yo brûlé yo, bail yo manger yo. Bale, si c'était aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a dit, Seigneur, ça n'est pas pour me dire, m'abdil. Mais on connaît qu'un bout. Monsieur, ça a été tellement zélé pour le Seigneur, même ça n'est pas pour me dire. Il dit, non, ça, ça. Il y a un soldat qui a pris pitié pour lui, il dit, comme ça, si ça n'est pas pour dire, dis non. Ça n'est pas dit là. Après, ça n'a pas quitté aller. Il dit, non, nous pas pour. C'est ça, pas Seigneur, non. Jésus-Christ est Seigneur. Mes amis, si je dis à un chrétien, quelqu'un qui dit que c'est chrétien qui a bordé la guerre, t'es grand, t'es un chrétien tout bon. Hein? Ou l'évangile que nous avons prêché là, et pour l'évangile qui est populaire, non? L'évangile qui est populaire, c'est aussi, c'est l'évangile là à l'église qui a réglé les questions matérielles. Mais l'ouvrir la Bible pour expliquer mon mais sa Bible là, vous le comprenez, n'est pas populaire, c'est aussi. Mais toutefois, chrétien, église espagnol, il était prêt pour tes souris pour toute bagaille pour le Seigneur. Et puis après ça, l'église tombée dans la période Pergame. Période Pergame, c'est période côté que, avec l'édit de Constantin, cet empereur romain, au commencement du 4e siècle, 323, il vient déclarer la liberté religieuse dans l'Empire romain, qu'il n'y a pas de persécution religieuse encore, pas de tuer chrétien encore, chrétien libre pour adorer. C'est un bon bagaille, en même temps, c'est un mauvais bagaille. Parce que tout bagaille païen vient dans l'Église. L'Église, ils font seul avec le monde. Et l'église vient gâter. L'église vient gâter. L'église vient tomber dans la période Pergame. Et c'est la période Pergame ça qui vient nous attirer. Et c'est dans la période Tiatir ça, le christianisme récolte le catholicisme. Catholicisme, c'est dans la période Tiatir, oui. Il grandit. Qui sont qu'on écrivait? Toute image païenne, ils viennent rencontrer avec doctrine chrétienne et puis ils font mélange. Puis c'est mélange ça qui baille le catholicisme. Et mélange Tiatir là, Livine fait l'église déboucher son période sur la période de Sade. Période de Sade à son période, à cause de l'église foncelle avec le monde là depuis la période Pergame. Période Pergame n'a vint déboucher sur Tiatir, côté que le catholicisme grandit dans la période ça. Et puis période Tiatir n'a vint by Sade, que l'église a kouni abdormi. L'église a abdormi. L'église a abdormi tant que le mort. Et puis gloire à Dieu. Et deux périodes Sade là, l'église tombée dans la période Philadelphie. Et en période de la période de Philadelphie, au 15e, 16e siècle, il y a des hommes que bon Dieu levait. Bon Dieu levait nèg ça dans mi-temps même catholicisme. On est comme Martin Luther. Catholique était au moins allemand. Dans mi-temps, il dit comme ça, ça pape l'a bien menti. Là, bon Dieu voulait lumière jaillir. Dans mi-temps, mon cap baille menti, il le vend mon oui. Il le fait Martin Luther. Dans mi-temps, il dit ça pape l'a bien menti. Pape l'a dit l'infaillible, c'est menti. Pape l'a dit comme ça, c'est lui qui. Et c'est à lui-même pour mon rendre gloire. Martin Luther dit, c'est à Dieu seul la gloire. Pape là, go équipe bagay le catholicisme, enseigné, frère monsieur moi, Martin Luther yon jour, dans le dernier dimanche mois octobre 1517, comme au moine allemand, monsieur mettait devant porte cathédrale Gutenberg, côté que lui tapait exercer ministère, lui mettait 95 thèses là. Et 95 thèses, c'est 95 barailles, il dit, mais sa catholicisme a vendu et les saintes écritures pas vendu. Et parmi toutes barailles, Martin Luther est déclaré, c'est par la foi seul que les gens capable de joindre Jésus-Christ. Sola fide. Il dit, par la foi seul que les gens capable de sauver. Sola fide. La foi en Jésus-Christ. L'écrit, c'est par la grâce seule que les gens capable de sauver. Sola gratia. La grâce seule. Il dit, c'est la parole de Dieu seule qui est capable d'aider les gens à comprendre comment pour capable de joindre Jésus-Christ. Sola scriptura. Et Martin Luther finalement dit comme ça. Et finalement, l'homme a réglé quelque chose à régler. À Dieu seul la gloire. Il dit, sola dei gloria. Bah, ça a débouché sur la réforme. Et réforme, non, c'est réforme ça hein, qui fait nous sauter dans ça, nous tomber dans la période fila. Philadelphie. Est-ce qu'on l'a avec moi, Soya? Est-ce qu'on va parler trop vite pour? Et le période Philadelphie, hein? C'est le période côté que de grands hommes, les missionnaires, des missionnaires qui parlent partout dans le monde, 15e, 16e, 17e, 18e siècle, il y a pas le bail l'évangile. Des hommes qui baillent l'évangile, soit aux États-Unis, soit en Europe, qui prennent la mission en Afrique, qui baillent l'évangile. Ça, c'est la période Philadelphie.
C'est une grande période que le est. Et m'a dit bagaille qui même joue dans fin 20e siècle période ça marche toujours. Période Philadelphia. On dans qui période là? Vous savez qu'on est? Vous savez qu'on est pour ça l'église aujourd'hui? Hey, monde pas de saisir non? Pour qui ça mon occupé? Yo dit pas de time pour le Seigneur. Qui devrait régler les affaires? L'église pas important pour eux-mêmes. Et parce que effectivement nous dans période Laodicée. Période Laodicée c'est période côté que mon apprend à abandonner la foi. Son période côté que yo pas ni fret ni chaud. Yo tiède. C'est période Laodicée. Et parce que nous dans dernière période Laodicée ça, pas de période encore. Période toute période finie. Nous dans période Laodicée, ça qui veut dire que à n'importe qui moment Christ qui ça. Christ capable de tourner à n'importe qui moment nous dans dernière période. Et c'est peut-être ça. L'on passe à Apocalypse chapitre 1, 2, 3, il parle de période ça. Et dans fin période ça, qui sont connectés par rien? L'enlèvement de l'église. On dit ça ensemble. Dis ça plus fort. Nous, dans la dernière période. Si on le monde qu'on chute, pas chute qu'on y a. Parce que nous, dans la dernière période. Dans la dernière période. Comment nous est ça? Aussitôt que vous faites Apocalypse 1, 2, 3, l'arrivée de la caillou, l'île, 1, 2, 3, l'arrivée de chapitre 4 là. L'apôtre Jean t'en voit. Dans le chapitre 4, l'apôtre Jean t'en voit. Pendant ce livre de Patmos. Verset 1er. L'apôtre Jean dit, après cela, je regardais, et voici, une porte était qui ça? Ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit qui ça? Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. Mais bien aimé, écoutez bien. Ou annotez bien. Après toute cette période d'église-là, dans verset 1er, Apocalypse chapitre 4, l'apôtre Jean entend une voix qui dit « Montez ». Et l'apôtre Jean, dans le passage, ça, lui campait et représentait l'église de Jésus-Christ. Même voix qui dit l'apôtre Jean pour le monter, hein? c'est même voix ça, yon l'heure qui vient pour dire nous qui ça? Montez. Même voix qui dit l'apôtre Jean, montez, m'bral fort, hein? C'est même voix ça, yon l'heure qui pour dire toute petite bon Dieu, montez. Et montez. Pour l'apôtre Jean, c'était monter pour louer ça qui va le passer. Mais monter pour nous-mêmes, les matins de voir ça, c'est monter enlèvement. Enlèvement. Ou après, dans l'Apocalypse, soutien que chapitre 1, 2, 3, ou parle de l'Église, soutien que chapitre 4, arrivé dans le chapitre 18, ou pape tende parler de l'Église même. Pour qui raison? L'Église pas là. Parce que l'Église montait depuis verset 1er. Tout ça qui va le passer, de chapitre 4, à chapitre 18, où on qui s'allie, qui deuxième bagaille, qui prend le passé dans le jour de la de ces bagailles là, la grande tribulation. Vous pouvez imaginer ça? Grande tribulation, puis lui. Vous imaginez trois chapitres couvrir les sept périodes de l'église. C'est chapitre 4, verset 1er. L'église montait. Après ça, chapitre 4, arrivé juste dans le chapitre 18, c'est qui ça rejoint? Grande tribulation. Mais bien aimé, écoutez bien, regardez-moi ici. Aussitôt que l'église enlevée, montez à rejoindre Jésus-Christ. Pral gen 7 ans de tribulation qui pral passer sous terre. 7 ans de tribulation. Et 7 ans ça a divisé en deux. Gon 3 ans et demi, cap moins pénible. Gon l'autre 3 ans et demi, cap plus pénible. Mais avant 7 ans ça arrivé, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 4, l'Apocalypse chapitre 4, reste verset yo, yo pas li yon vision du trône de Dieu. C'est belle bagaille ça y est. Je ne sais pas si je visite le palais. Pour avoir une chance pour visiter, par exemple, le bureau ovale du président américain. Il y a des affaires, ça y est, pour chiter non bureau président. Et puis, pour manquer, essayer une chaise là. Pour chiter derrière le bureau. Pas même chiter, même c'est belle manière pour constater le bureau président. Pour visiter une place, donc on palais, un siège d'autorité présidentielle. L'apôtre Jean a une chance. Pendant la vision céleste, il voit le trône de Dieu. Et pas tout le monde qui dit à Isaïe. Esaïe a une grande chance. Dans Isaïe 6, Esaïe a une vision du trône de Dieu. Vous songez dans Isaïe 6? Il dit, moi, je vois mon Dieu, il est assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe, comment remplissait le temple. Séraphin, chérubin, séraphin, il a volé tout autour du trône, et puis il a crié qui ça? Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est comment remplie. Rempli de sa gloire. Ainsi, l'apôtre Jean joint un bénéfice à lui, joint une vision du trône de Dieu. Et
l'apôtre Paul, son gros nègre, oui, dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul te renonce en télévision. Il dit quoi? Il a été au ciel et il a vu des choses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Mabdou, lorsque touriste dans un grand pays, où on vit parler de ça? Là où on côté en quel monde pas, on vit parler de ça. Là elle fait touriste dans des pays éloignés, soit en Europe, soit en Afrique. Ça a toujours vite dans la pensée, vite dans le vocabulaire, on voulait parler de ça. Mais même côté, on est allé qui pile loin dans la vie, c'est au Kenya. Prends avion sur Haïti, à Miami, Georgia, Amsterdam, 8 heures de temps vol, Amsterdam, Nairobi, Kenya. Et puis après ça, pour nous prendre l'autre petit avion encore pour dans une zone côté tribu Maasai. Ah, en pile voyage, oui? Ça t'est marqué mon pile. Et si l'on ouait des choses que tout le monde parle, on vit parler de ça. Eh bien, écoutez bien, ça c'est là et la terre. Et l'apôtre Paul même. Et Paul. Pour on est pour ça qui passe dans le ciel là, pour pas envie parler. Paul dit que ça bagaille que l'ouais, c'est bagaille tout le monde pas ouais. Le fait pour ne pas orgueilleux par rapport à ça l'ouais, bon Dieu font gens, lui humilie monsieur. Bon Dieu mette monsieur dans situation côté que pour ne pas rembap l'estomac lui parce que l'ouais bagaille qu'il n'y a pas tout le monde qui gagne capacité, qui gagne opportunité, qui gagne autorisation pour yo ouais. Dans le bureau quand on travaille, pas n'importe qui marqué personnel autorisé. Authorized people only. Tout le monde pas rentrer là non. Je vais dire, il y a quelques côtés bon Dieu autorisé qui sont rentrés. Ils sont gratuits. Je vais dire, vous ne pas comprendre ça. Mais ma soeur, le fait que nous chita là, nous avons ouvert l'Apocalypse pour nous capables de lire la parole de mon Dieu. Comprendre, ils sont gratuits. Nous tous crions, gardons grâce. Ils sont grâce. Et si vous bien aimé, la grande tribulation arrivée, dans le chapitre 4 là, l'apôtre Jean, le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Chapitre 5 là, son chapitre pour aller la caillou. C'est la première fois qu'on a découvert, même si on a un caille, qui a un papier, soit acheter un caille qui a un papier, soit acheter une machine qui a un papier. Lorsqu'on paye la machine, comme on a déjà avant payé le ligon ligne sur lui, lorsqu'on paye, quand il y a une machine, c'est une machine, tout le monde est sous nom. Hein? Écoutez bien, vous connaissez la terre qui a un papier, tout? La terre qui a un papier, l'univers qui a un papier. Le Adam et Ève ont péché, ils ont obéi à Satan. Satan vient de droit sur papier. Est-ce qu'on capte? C'est quoi Bible de là, oui? L'univers est papier. Bible, Bible a dit comme ça. À l'éternel la terre, le monde. Ouais, l'univers est papier. Maintenant, ça qui arrivait, le Adam et Ève tombés dans le péché, ils ont causé que Satan baillon en panzou, ils ont pris papier. Satan prend papier. Satan vient de droit sur papier. Satan vient de droit sur l'univers. C'est peut-être ça. Le Satan a tenté Jésus-Christ dans Matthieu 4. Il met son tête monde. Satan dit Jésus-Christ comme ça. La Bible dit comme ça. Il montre Jésus-Christ tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et puis dit Jésus-Christ comme ça. Ma baouyo si ou prosterné devant. Au monde qui dit la boyon barrière parce que c'est pour lui. Jésus-Christ pas dit c'est pas pour lui, non? Parce que lui prend de droit dans mes Adam et Ève. Parce que tu es dans le péché. Satan dit, ma baoule. Satan dit Jésus comme ça. Ma foi sont pas même passés par la croix. Ma foi vin roi les rois. Ma bon gros autorité sont pas même passés par la croix. Ma baoule. Jésus-Christ pas dit rien, non? C'est ça Jésus-Christ dit. Retire-toi, Satan. Retire-toi. Mais qui sont connaît Jésus-Christ fait? Jésus-Christ connaît comment il t'apprend le grand papier encore. Ou quand vous perdu? On a eu fin perdu, ou on perdu, et puis on a acheté quand là-haut. Hein? On a eu dans foreclosure. Ou pensez, ou pas de droit du tout. Et puis, on a l'autre coup passé, ça a passé. Ou reprend quand là. Et bien, écoutez bien, avec péché à l'Ève, Satan vient de droit sur le monde, sur l'univers. C'est peut-être ça, il est devenu le prince de la puissance de l'air. Le prince de ce monde. Là, ennemi a dit Jésus-Christ, baissez le vent, adorez-moi, ma bonne tout. Jésus-Christ pas dit, Jésus-Christ dit, où es-tu toi? Pour quelle raison? Jésus-Christ te connaît, sale d'après le fait, qui devant. Frère, monsieur, le Jésus-Christ pendait sous quoi? Le verset 5. Il baille la ville pour le péché de l'humanité. Gon parole, il dit sur la croix. C'est la plus grosse parole que j'aime prononcer sous terre. Sous quoi? Il prononce son parole en armée. Parole là, c'est te. Estai. Son parole qui dit tout est accompli. Dans la période de Jésus-Christ à vivre, l'on achète ton bagage, si on a bon reçu, on sait que son reçu, estai. Ça qui veut dire payer.
payé, ou pas doué rien, payé, tout payé. Lorsque Jésus-Christ crie, fait crier ça sur quoi? Stay. Son cri dit, moi payé, toute dette payée. Et lorsque Libour, il verse son livre école, dette payée, papier, Satan, t'es gué droit sous lui. À cause du péché pour par la Jésus-Christ fait qui ça? Il reprend papier, il reprend acte de propriété de l'univers là. Lors de l'Apocalypse 5, c'est un coup gagnant, c'est un coup c'est nos maisons où il y a côté que tout document, tout archive de l'univers là. On voit qui dit, l'Apocalypse 5, après ça me finit de là, on comprend bien. On voit qui dit autour du trône de Dieu, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Document ça qui a parlé, son document qui vient pour vous, avec ça en anglais, the title deeds of the universe. Titre de propriété, univers là. L'apôtre Jean dit, les voix ça a sonné, il dit, qui est-ce qui est digne pour prendre papier là? L'apôtre Jean dit, gardez-le, pas une personne. Et puis, l'on n'a pas une personne, il dit, libre à crier. Soit l'Apocalypse 5, loi l'île, et pour yodou l'apôtre Jean a crié, pourquoi est-ce qu'on a crié? Si pas de monde qui a pris papier a prétendu que ça, donc il a prétendu que Satan, et l'humanité a toujours été esclave du diable. L'apôtre Jean dit, pendant la prière, c'est alors, lui a un homme qui paraît, le lion de la tribu de Juda. Et qui est-ce qui lui a tribu de Juda? L'aller, lui prend un document et puis lui rompt les sceaux. Il décache les documents. Frère, depuis lorsque Jésus-Christ mourit, il est ressuscité, document dans main Jésus. Moi, je dis amen à soi. Et lors de l'Apocalypse 5, il y a une ouverture sur un bagage qui passait déjà. Et ouverture, ça, lui permet que nous connaissions, même si le diable a monté, descend sous terre, mandat fini déjà. Même si elle a monté, descend sous terre, la baye moun menti, eh bien, verdict li getan écrit de? Verdict li écrit déjà. Même si li endurci de cœur, pour le mener dans l'enfer quand elle va le bouler, verdict ennemi a écrit ça? Écrit déjà. Li bien connaît, oui. Ennemi a bien connaît, c'est déçu d'abdessu moun, oui. Le Jésus-Christ a chassé démon, non homme. Qui te gon démon nan li. Nom nan se nan cimetière kon rete. Ou kon sa démon nan nom nan di Jésus? Oh Jésus, petit bon Dieu, pour qui sa vin tourmente nou avant tan nou rive? Ha! Satan konne. Li gon tan ka prive. Li konne, men le pa vle ki sa. Li pa vle pièce l'autre moun ki sa. Pièce l'autre moun konne. Map li yon histoire jodi ya. Gon pasteur ki pral prêche Canada. Puis pendant le prêche Canada, li perdu dans zone Ottawa et puis rentre dans. Non, zone qui forestière. Quand il y a grand pile pied bois, etc. Il est perdu. Puis pendant le perdu, dans conduit, il est arrivé jouer dans un paquet de cap coupé pied bois, puis il fait planche. Et puis, quand il y a fait planche, il fait un petit pulpit, un petit scène. Depuis qu'il y a une pause, il y a une chance pour le monter sous scène, pour le parler, pour le discourir, pour le faire un débat. Puis pendant que tu as passé, ils font pause pour regarder monsieur yo. Et puis on est qui campé sous scène nèg la dit comme ça ça me dit nous jodi a m'a fait discours pas non c'est que pas mon dieu m'pas croire dans mon dieu toutes sortes de bon dieu a dit c'est menti l'univers son accident pas personne derrière toute sorte là moi même moi c'est premier acteur de l'univers bon dieu ça est gain m'pas connait si on monde ta dou gain mon dieu et bien relé monde ça campé devant pour qu'on puisse faire connaître que pas grand bon Dieu. Puis pendant il dit ça pasteur qui te font pause, on voit qui dit pasteur, parle là avec ça non. Fais même bouche non. Pasteur font pause d'attendre qu'il est pour réagir parce que c'est pas accident la passer dans zone non, mais en même temps, il sentit que ça nèg là bien interpellé pour réagir. Puis avant pasteur réagir, gon monsieur qui campait dans mi-temps yo. Monsieur a dit nous capable la parole. Il dit oui, ou la parole. Monsieur a dit, il y a quelques 2-3 semaines, un monsieur qui était bon rivière, qui tout prêt à là, monsieur était dans un petit canot,
et puis de l'eau prend dans la pour la gueule l'autre côté côté de la ville en danger. Moi j'entends monsieur ça qu'après les ah ouais bon Dieu sauvez-moi. Bon Dieu sauvez-moi Seigneur. Bon Dieu aide-moi Seigneur. Bon Dieu garde bon Dieu voyons mon nom venir demi nous retirer mon côté mien pour me pas payer la vie. Et puis monsieur qui prend la parole dit comme ça comme moi était dans zone m'a passé moi aller moi aider monsieur qui t'a prié bon Dieu aide-moi non et moi faire monsieur a joindre la vie. Puis monsieur qui te prend la parole là dit comme ça monsieur ça ouais fait dit pas mon Dieu a c'est lui même qui t'a prié bon Dieu aide-moi non. Monsieur ça ouais fait dit pas bon Dieu a c'est lui même qui t'a prié bon Dieu voyer mal sauver. Commissaire monsieur a fini ça il descend scène tout doucement il pas parler il sorti bien haut. Bien même Abdo moun ki di pagé bon Dieu yo si on prend temps pour di pagé bon Dieu et parce que cœur yo tellement condamné yo yo vle parler fort pour faire cœur yo pas convaincu yo parce que dans la réalité gè bon Dieu on nous crie gè bon Dieu gè bon Dieu et c'est peut-être ça tout moun ki pa konn bon Dieu yo Bible la fait connait Bible la fait connait grand moment qui vient aussitôt que l'église enlevée l'humanité prend connait qui ça qui période ça la période de la grande tribulation. Si un monde doit prendre Jésus pour sauver ses cougnières, par exemple, non? Si un monde doit prendre Jésus pour sauver ses cougnières, parce que pendant la période de grande tribulation, la difficile pour un monde joindre même accès à l'évangile. Non, joindre un monde joindre accès au dia. Porte l'ouvrir, parking l'ouvrir. Regardez quand est-ce que vous chita. Les papes comme ça dans la période de grande tribulation. Si un monde pensait, sous tes premières occasions, l'enlèvement, ou avoir une deuxième occasion, pas de garantie. Pas de garantie. Parce que dans la période de la Bible, là, c'est la période plus facile pour prendre l'évangile. Sous rater l'occasion, ça, puis qu'on pense qu'on a besoin d'autres occasions. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs histoires. Il y a un pasteur, il y a un relève parce qu'il y a un malade qui a mouru. Et puis le pasteur allait. Parce que il dit, malade a mouru, mais malade a tellement, où elle a mouru, il voulait prendre Jésus-Christ pour sauver. Le pasteur est content. L'allait. L'arrivé dans l'hôpital, là, il y a son monsieur, bien pour, forte corpulence. Le pasteur a dit, monsieur, comme ça, sauve-le. Il a dit, bon, Jésus. On n'est qui pas de jambes, on n'est qui pas de jambes, Jésus, pour sauver l'eau. On n'est qui pas de jambes sous ça, mais il était content de l'évangile. Mais là, il y a un mot à faire. Psst, psst. Là, il y a un mot à brûler. Il dit, bon, Jésus. Le pasteur a dit, priez, non. Monsieur a prouvé. Le pasteur a dit, dis, Seigneur Jésus. Monsieur, elle va le mourir. Il dit, Seigneur Jésus. Pardonnez-moi, péché. J'ai dit, pardonnez-moi, péché. Monsieur, plus pressé pour le prier que le pasteur. Écris-nous dans le caïssel là. Monsieur, écris-nous dans le caïssel là. Bon, force ma chavo. C'est bon, force ma chavo. Monsieur, priez. Le monsieur vient prier. Pasteur a quitté l'hôpital là. Mais pasteur a connu que monsieur va vivre. Puis deux semaines après, pasteur attendait que monsieur était exéaté. Le monsieur exéaté, parce qu'il y a la Kairi. Parce qu'il y a dit, monsieur, comme ça. Et où sont jetés pour Jésus qui vous sauve? Monsieur dit, parce qu'il est. Il dit, où sont jetés? C'est moi qui t'ai prié avant, oui. Et parce que c'est vrai. Et, il dit, oui, il dit, où t'as accepté Jésus qui vous sauve? Il dit, parce que bon, si c'était moi, baron qui l'aime, c'est comme ça. Bien, regardez, coulant, moi, t'as pris l'aile, ça passe. Il était couru fini parce que qu'on y a lié exéaté qu'on y a lié Jésus vacances. Dans la période de tremblement de terre en 2010, dans l'église de Pétionville, sur la route de Canapé Vert, où qu'on a vu combien de monde qui convertit dans l'église, dont seule l'église, en 2010, après le séisme du 12 janvier 2010, dans seule l'église, dans Canapé Vert seulement, côté de terre, il y a plus que 200 monde qui baillent Jésus-Christ la vie. La moun pè, bon Jésus. La moun pè te ap tremble, yon konnen pral mouri. Amway. Bon Jésus. Nan 200 moun sa yo, ki te kouri fè pouye pou yo. Ou konn combien kreté? Moins que 50. Et nan 50 la nou baptise 30. Ou konn samble nou bala? Lè l'homme panike, lè l'homme gen problème, lè l'homme en difficulté, bon Jésus. Exemple, nan pays pa bon ici, yon pas d'accord pour moun prier dans l'école yo. Yo pas d'accord pour parler de Jésus dans l'école yo. Dernièrement là, le te gen shooting. Ou konnen que gen professeur en dans plusieurs écoles qui dit ti moun yo on prier et puis tout ti moun yo bao et puis yo prier. Si professeur ça ta fait ça laisse ça bon.
Il a prévoqué lui. Mais laisse ça pas bon. Let us pray. Laisse ça bon. Hey, no prayer here. No interference between the state and the church. Mais laisse ça bon. Amazing grace. Est-ce qu'on l'a avec moi? C'est quoi ça va marcher, oui? Mais gon bagay m'abdou, gon bagay m'abdou, et m'ap terminer avec point ça. Demain soir, n'après le soin, l'autre point. Yo. Aussitôt que l'église enlevé, la terre pral connaître la période de la grande tribulation. C'est un cap difficile. C'est un côté que Satan pral paraître sous terre dans la personne de l'Antichrist qui pral gouverner la terre entière. Côté que même Bible là, Gétan avertit la terre. Il dit, malheur, malheur, malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers nous avec grande puissance, sachant qu'il a peu de temps. Mais en attendant, que nous prenons grande tribulation demain soir, rapidement, Mabdou, font feuilleter Biboua, Mabdou, qui s'est pas arrivé. Dans chapitre 5, côté que Jésus-Christ prend un document, title 10, titre de propriété de l'univers, ou dans le chapitre 6. Regardez, à partir du chapitre 6, il y a trois séries de jugements qui prennent tomber sous terre. On nous tout dit ensemble, le jugement des sceaux. On dit ça ensemble. À chaque fois, les gens disent sceaux, son document en enveloppe. À chaque fois que l'enveloppe est décachetée, ils décèlent l'enveloppe là, il y a un jugement qui tombe sous terre. Après ça, c'est environ sept jugements de sceaux. Et puis après ça, il y a un jugement relais, le jugement des trompettes. On dit ça ensemble. Le jugement des trompettes. À chaque fois que la trompette qui sonne, un jugement tombe sous terre. Et puis après ça, le jugement des coupes. À chaque fois que la coupe qui verse sous terre, un jugement qui tombe. Trois séries de jugements. Youn, chaque temps, un jugement fini, ça vient après, plus pénible. Sept sauts, qui sont encore? Sept trompettes, qui sont encore? Sept coupes. Malheur, problème, demain soir nous allons dans le détail, qui ça pourrait arriver pendant la période ça. Et mon dit, pasteur, on attend qui sont les gens capables de faire pendant sous terre. Donc je viens de vous dire, regardez, petit bon Dieu, c'est des ambassadeurs. Ils représentent le Seigneur Jésus qui est sous terre. Mais même gens avant au pays, déclarant l'autre pays la guerre, ils font ambassadeur lui rentrer. Bon Dieu pourrait déclarer l'humanité la guerre. 7 ans. Avant ça arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Ambassadeur Lyon. Tout le monde qui connaît Jésus-Christ, qui ça? A pas levé. Même Jean te dit, Jean, montez. Et mais gros, nous avons un signal, un son. Cabinet qui ça? Montez. Et pas nous-mêmes qui avons fait effort pour monter, non? Et l'esprit qui est dans nous a fait monter. Parce que bon Dieu qui est en mettant nous dans le network, nous network with heaven, à cause de cet esprit, eh bien, l'esprit qui est dans nous, a transformé nous, a changé nous, puis ça, nous monter. La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil. Et bien, ça, l'église de Saint-Songil, l'église va ramener de jambes ça. Et aussitôt que nous enlevons, mes bien-aimés, c'est en tribulation, a décrété sous terre. Le monde prêt pour ça, oui. Le monde, c'est non, qui préparé, c'est arrivé le bon arrivé. Mais ça m'a dit, pendant que nous prenons pour nous prier. Mais ça m'a dit, si il y a un monde qui l'a acquis, c'est petit bon Dieu. C'est pas moment pour quitter ton pio dehors. Tous les deux pio dehors qui connaissent ça, en dedans, Maranatha, Christ revient. Pas qu'à quitter ton pio dehors. Et si il y a un monde qui l'a, qui pas quoi que ça n'a pas parlé la privée, it's going to happen, la privée. Ouais, si je ne pas l'évangile, si je ne pas l'évangile, même si je ne pas comprendre ça dans l'évangile, si je t'attends ce qui va le passer, on t'a prêché quand même. Ça m'a donné là, pas terminé. Et son histoire qui est vraie. Je veux dire, quand il y a deux nègres qui étaient dans la prison. Trois. Ils ont pris le condamné, tué. Et, il y a une, malgré qu'on ait pris le condamné, monsieur a pris dans la prison. Il a fait blague. Toujours une blague, dans tout le côté passé. Ils ont pris le tuer, tous les trois nègres, ils ont fait blague. Il y a une qui sont qu'on a fait. Il dessine un petit bateau dans la prison. Et puis il dit, deux messieurs, à minuit, à soir, je suis sorti, oui. Tout le monde qui veut sortir avec moi, coller puis dans le bateau. Je suis sorti. Et pas Haïti, mon petit, oui. Pour coller puis dans le dessin bateau qui n'ont mis. Tout le monde, messieurs, dit, ou fou,
Pas de bâton dans la, son cellule nous yon ti fenêtre. Comment vous comprenez pour grand monde dans vous? Pour vous descendre son petit bâton, pour dire grand monde dans vous, pour coller pied nous fouiller dans le bâton, nous avons déplacé. Tout le monde dit, tout le monde dit, monsieur, ou fou. Et finalement, gen yon nan yon kal parle avec l'autre, là dit comme ça. Nous dit monsieur fou. Mais belle bagaille, c'est vrai. Est-ce qu'elle a hein? Nous dit monsieur fou, mais belle bagaille, c'est vrai. Et puis l'autre a dit, monsieur, où ça? Eh bien, ou fou vrai? Ou dit, belle bagaille, c'est vrai? Bah, l'histoire dit, il n'y a pas connaît qui ça, monsieur, a été fait. Si son magie, quel que soit ça, a été fait, personne ne connaît ça, a été fait. Monsieur prend pied, il fouille dans le dessin bateau, qui est dans la cellule prison. Deuxième, l'autre nègre qui était gagné 100 000 ans, 100 000 ans, pas de mettre pied, monsieur mettait pied tout. L'autre la chita a passé la bêtise. Gardez deux grands mouns. Ils prennent tout yé. Cap je jette mon petit. L'autre la parole qui est monsieur. L'autre a dit, c'est pas un il met pied. Il dit, qui ça s'est fait? Ma PC, met pied. Vous connaissez l'histoire dit, pendant ça que pas quoi à virer d'ol, il faut tous les nègres disparaître. Mande comment un baron est. Il disparaît. Le monsieur ouais ça? Monsieur saisi, qu'est-ce qu'on est là de faire? Il mettait bien. Mais mettez bien pas suffit. Il faut que. Parce que n'est-ce qu'il y a une capacité pour faire sortir, il y a quelques barres, il connaît. Il y a quelques barres, il te dit. Mettez bien, il n'y a pas garanti rien. Histoire vraie, il dit comme ça, c'est monsieur, il était exécuté. Mabdou, où est-ce que l'évangile? Même si je ne pas fin de comprendre l'évangile. À cause de tout ça, il dit qu'il va arriver. Je n'ai pas prêché ce quand même, moi dis amen, oui. Je mets des pieds. Et c'est à ce moment-là, demain soir, on a fini de réussir. Si Pio était déjà là, pas quitter mon cap d'eau. Retirez Pio. Quittez Pio Rodelier. Mais Mabdo, si Pio Poko là, à ce moment-là, mettez Pio. Je vais chanter à ce moment-là. Je me chante dit Jésus moi remè. Jésus moi remè. Et pendant que je me chante chant ça, pendant toute tête baissée, tous yeux fermés, est-ce qu'il y a un monde qui t'a dit pasteur, Piem poko là, non? Je voulais mettre Piem. Piem poko là. Moi voulais mettre Piem. Moi voulais remettre Jésus la vie. Frère, sœur, gon raison qui fait que mon Dieu voyou là soya. Sou pas assuré que pied ou dans Jésus. Nous là, n'a pas tant non. Nous voulons prier avec vous. Dis-moi qui a dit, pasteur, pourquoi ça c'est comme ça fait dans l'église? Quand que l'homme prend une décision de marcher avec Jésus, publiquement il faut lever pour avancer, pour prier avec vous. C'est parce que Jésus qui dit comme ça, les gens qui ne peuvent pas confesser publiquement devant les hommes, ne peuvent pas confesser publiquement devant papa qui est dans le ciel là. Dans Romains 19, 10, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est parti public là. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça c'est parti privé là. Tu seras comment sauvé. Et c'est à ce que je vais chanter. Pendant toute tête, mais c'est tout Dieu fermé. Je vais demander au sous là, au bagage Jésus qui est comme sauveur. Avancez. Et nous allons prier avec vous. On nous prie avant que nous chantions. Ou même qui l'a besoin de Jésus comme sauveur. Fais prier ça dans le cœur, non. Dis Seigneur Jésus. Moi, je voulais mettre pieds. Moi, je voulais croire en haut. Je voulais boire la vie. Prends la vie, Seigneur. Sauvez-moi, Jésus. Écris nom dans le ciel là. Bonne force pour marcher avec vous. Aidez-moi pour me capable vivre pour moi-même. Et faire une petite bon Dieu. Si c'est prière ça qu'on fait, nous allons chanter. Pendant que tout le monde a campé, nous allons chanter des chants qui sont écran. Maintenant, nous avancer. Nous là, pour nous accompagner, pour nous prendre une décision ça. Jésus, moi, remè, c'est où qui sauve, amour, femme qui te plaît, si péché, moi, rédempteur, bénis-moi, c'est où qui sauve. Seigneur, plus que jamais.
deuxième strophe. Moi, remets ou pas. Ou remets avant, n'attends-nous. Oh, remets. Remets ta vie à Jésus qui a soya. Sauve-moi, calvaire. T'es souffré pour moi. Moi, remets ou qui peut. T'es toi, tu troisième soir, dans la vie, dans la mort, moi, va remer ma servir au tout temps, oh, bon, so gauche, moi, l'ombrage, la mort. Moi, remets au Seigneur, puis plus que jamais. Moi, c'est plus que jamais. Où c'est sauce, où c'est sauce, pour consoler mes pas besoin de l'homme. Sans prétendre, pas. Oh, 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 c'est sauce pour consoler.